Agent, par ici. Rejoignez-moi à la porte. Mission prioritaire indiquée. Rendez-vous au marqueur. J'ai besoin de renfort!
détecté. Abri requis. Débarque de derrière cette barrière. Sécurisez le périmètre! Occupez-vous de ces barricades. Demandez à quelqu'un de contacter les patrouilles pour qu'elles recherchent les traînards. Certains de ces fumiers se sont enfuis. Je m'attendais pas à une autre attaque aussi rapidement. Ça va? Si ça continue, on va devoir bouger d'ici. Allez, donnez-moi un coup de main. On n'est pas assez nombreux pour protéger tout le monde. Pas encore. Allez sur le front de mer! C'est pas possible. C'est un signal de détresse. Avec les coordonnées de Washington. Mais comment c'est possible? À terre! À terre, tout le monde! Quelqu'un doit rester! On peut pas abandonner ces gens ici! Faut intervenir! Si on fait rien, on est tous foutus! Allez-y! Moi, je vais faire ce que je peux! Partez! On ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait. Du café bien chaud le matin. Le wifi gratuit. Et quand tout a disparu, on a survécu. Quand les communications, les trains et Internet sont tombés en panne, on a survécu. Mais quand les pharmacies ont commencé à être pillées et les hôpitaux fermés, l'asthme est devenu une maladie mortelle. Plus de police pour vous protéger. Vous aviez une arme? Votre voisin avait une arme? Certains ont survécu.
Notre espèce est coriace. Lorsque la société s'effondre, l'homme se relève. Mais pour la première fois depuis des siècles, ce qu'on veut devient aussi ce dont on a besoin. Face à la catastrophe, nous nous sommes entraidés. Nous avons créé de nouvelles communautés sur les ruines de la société. Nous nous sommes adaptés. Nous avons établi la nouvelle normalité. Mais il y a ceux qui ne bâtissent rien. Qui ne créent rien. Des hyènes traquant les plus faibles. Depuis, notre monde saigne. Nous ne sommes pas seuls. Quelques braves ont juré de nous protéger et de sauver ceux qui restent. Ils nous unissent. Ils nous rappellent que nous sommes un peuple. Ils sont notre bouclier, notre lumière. Mais si cette lueur s'éteint, alors qui nous sauvera? Sept mois se sont écoulés depuis le début de l'épidémie. Nous vivons toujours dans la peur du virus, le poison vert. Mais le vrai danger est encore là. Il attend. De la SHD.